Voilà, donc c'est parti ici. Amis sportifs, donc c'est le tournoi des championnats d'académie. Ils sont 14 en lice, bien sûr, pour compétir dans ce championnat académie qui a commencé il y a un mois de cela, ici à Mbao Park. Et voilà, c'est organisé par KMF Foot dans le but, bien sûr, de faire compétir, bien sûr, les académies. Et très bonne chose quand même. Une idée quand même, voilà, ça c'est un hors-jeu. Donc voilà, sur la pelouse de Mbao Park, deux équipes, KM Foot et Académie Matar Koli, qui jouent en rouge, tout rouge, hein, comme les Reds. Et voilà, et donc Foot Center en blanc, voilà, des bas bleus. Voilà, donc c'est leur deuxième sortie. Donc je rappelle que leur première sortie a été un succès. C'est maillé d'une victoire. Et Matar Koli, eux, ont eu quand même un match nul, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est la deuxième journée ici. Pour vous dire, rappel, beaucoup d'équipes, beaucoup d'académies ont, bien sûr, ont répondu présent, surtout à l'appel de l'initiative de KM Foot. Voilà, donc je pense que c'est une très bonne chose pour les moins de 20 ans ici. Sur Mbao Park et sur la pelouse Foot Center en blanc et Académie Matar Koli en rouge. Je vous rappelle les classements des deux équipes, la compo et côté Foot Center. Donc le gardien c'est Cham, la charnière centrale est composée de Mohamed et Krishna, Boussa et Bala. Papis comme le dépositaire du jeu. Et voilà, les attaquants Mam Tcherno, voilà, le joueur que l'on connaît bien sûr. Dans le mouvement Nawetan qui a joué à l'AC Manco cette année. Et bien sûr, Abdoulaye et. Voilà. Abdoulong. Voilà. Donc, c'est les 11 partants de KM Foot qui démarrent ce match par une victoire. On va essayer de voir cette balle. Voilà. C'était une mauvaise passe de l'attaquant de Matar Koli. Voilà. Donc. Amis sportifs, on joue depuis 2 minutes ici à Mbao Park. Donc c'est en l'occurrence le numéro 8, Kalisanya qui a fait une mauvaise passe tout à l'heure. Ballon maintenant c'est pour Christian qui va jouer pour Mohamed qui cherche la profondeur et il trouve le balle hein, qui met le pied. Attention, hein, Papis qui n'a pas pu jouer. Attention, merci. C'est son contre-attaque. Dès qu'il a frappé, il va essayer de se contrer. Et ça sera un corner. Bien sûr, troisième minute et c'est Matar Koli qui obtient ici un corner hein, sur cette frappe voilà, de Ibrahim Khalil Diatta, voilà, donc un joueur de l'académie. Voilà, donc corner, on joue la troisième minute, les rouges en corner sur le quoi. C'est pas Al qui flotte et attention à ce numéro 14, c'est bien sûr ce balle qui a 1000 pieds. Et voilà, donc c'est lui qui récupère balle, qui va essayer de donner ça à Mohamed. Mamadou Ndiaye qui cherche la profondeur mais finalement c'est récupéré par les rouges en reculant le numéro 6 Ibrahim Bop qui va en profondeur pour Sagna attention il va glisser pour Khalil attention cette balle qui va se récupérer cette balle qui va écarter de l'autre côté et ça sera pour Baye Gaucher sûrement et certainement Baye Gaucher ouais, qui va essayer de jouer avec son axe qui cherche. Ah, voilà, donc c'est Baye Gaucher qui a dégagé le ballon. Voilà. Donc sûrement, certainement, c'est Abdoulaye qui est venu en rescousse à la défense. La balle qui va certainement sur les pieds des rouges, le 3 qui va essayer d'infiltrer, de percer la défense. Mais c'est contré Mam Tcherno à la lutte qui n'a pas encore touché le ballon. Oui, le numéro 9 est capitaine, bien sûr, l'attaquant de pointe de Foot Center ballon. Et c'est, voilà, et c'est Abdoulaye. La balle est sortie et touche. Voilà, Abdoulaye qui met la tête, qui récupère, qui donne une balle. Ça n'arrive pas. Attention à ces deux, ils sont rapides, en profondeur. La balle qui va de l'autre côté. Et ça sera le gardien Cham qui va essayer de jouer tranquillement, peut-être avec Christian ou Mohamed. Voilà, il joue tranquillement avec
Donc bah, sur la tête de la défense de l'Académie Matar Koli, ils sont récupérés le ballon, ils sont un peu qui saignants, qui va glisser la balle. Et ça sera sur les pieds de Moussa. Ça qui donne à Abdoulaye, la Ndiaye, et c'est voilà, le 15 Mohamed qui va donner pour son gardien, Cham qui va écarter de l'autre côté pour Christian. Christian, et je vois Baye Gouchier qui va essayer de faire l'appel, la balle, attention, il va glisser pour le numéro 10, Abdoulaye. Là, de KMF qui revient en rescousse avec Papis. Oh là, là donc, un tir qui n'inquiète pas aussi le gardien de Matar Koli à l'académie. Et ça repart pour les rouges. La défense qui va. Mauvais dégagement, renvoi. Et c'est Moussa. Moussa qui va essayer de. Voilà, il s'est perdu, il s'est récupéré par l'équipe, il n'est pas en urgence. Attention, cette balle, il s'en va, il est dans les rues 18 là, oh, il n'arrive pas à frapper. Attention, hein. C'est balle à profondeur qui risque de faire très mal à l'adversaire, surtout à KM Foot. Et je vois l'Académie Moussa Koli, Matar Koli du moins, un peu très rapide hein, sur les contres. Et voilà, donc on repart avec Cham, le gardien de KM Foot, Christian. Il n'a pas de solution, Christian. En profondeur, Mam Tcherno qui touche l'un de ses premiers ballons et qui obtient un coup franc. Mam Tcherno la passe à gaucher qui va essayer de solliciter à Abdoulaye. La balle sort en touche. Minutes. Ici, c'est pas en profondeur, mais Christian qui vient en rescousse. Et voilà, et c'est finalement Christian qui est le premier sur le ballon qui donne à Mohamed en profondeur. Mohamed qui a glissé à Papis, hein, qui touche beaucoup de ballons. Hein. Cette entame de jeu, Papis, oui. C'est bon, comme au milieu de terrain, il semble que celui le dépositaire du jeu. Attention, Mohamed, ce dégagement. Oh, attention. Voilà, et c'est le gardien Tcham qui n'a pas de problème là-dessus. Tcham, Christian qui va chercher. Finalement, c'est la balle dans la zone de Matar Koli et tranquillement. La défense de Matar Koli qui va voilà qui se saisit du ballon et ça sera le gardien Falloumar qui donne à sa défense le vent qui c'est Khalil Diatta le vent et voilà donc également Bob le numéro 6 aussi de Matar Koli quand même qui a commis une vilaine faute sur sur Mamadou Ndiaye de KM Foot Center. Mais voilà, lui c'est un joueur. Voilà, pour le 6 hein, qui joue bien, Ibrahim Bob, la profondeur. Et ça sera pour Christian. Attention, Christian, il est un peu lourd là, il me semble. Et c'est Sagnan qui dégage n'importe comment. Et ça sera pour le gardien Tcham qui va glisser pour Mamadou Ndiaye, Mohamed, et ça sera pour le gardien Tcham. Ils vont essayer d'élaborer, de sortir. Et c'est Mohamed qui va dégager. Chercher son capitaine qui s'appuie sur Mam Tcherno, mais il commet une faute à Mam Tcherno. Ah non, il faudra éviter ces gestes-là, Mam Tcherno. Ah, c'est pas le geste d'un grand joueur, il faut éviter ça. Voilà, donc il faut respecter parfois la décision de l'arbitre, c'est important. C'est important, surtout quand on joue au football. Il ne faut pas s'énerver très tôt. Voilà, donc 10 minutes. 10 minutes ici à Mbao Park et je vous rappelle que c'est le championnat d'académie qui bat son plein, voilà, qui a débuté depuis voilà, il y a un mois de cela, ouais, avec vraiment un niveau très élevé ici à Mbao Park. Académie Matar Koli pour Saint-Eux 0-0
11e minute, ballon. Ce sera pour Bob. Ibrahim Bob, c'est le numéro 6. Et qui donne son gardien de but, Falloumar, à Ibrahim Bob. Ibrahim Bob qui cherche, voilà, qui va essayer de jouer en profondeur avec son numéro 3, qui est Cheikhou Sagna. Et c'est la balle qui n'a finalement pas touché le ballon. Balle, mais quand même qui récupère un ballon. Il faut encore surtout de la vivacité, la rigueur également. Il faudra mettre ça dans le jeu, sinon voilà, au milieu de terrain. Et c'est Papis, voilà, qui c'est la balle qui va jouer avec Momodou, du moins Mondiaye qui s'en va. Ah, il y a eu. Voilà, attention. Attention. C'est vrai que l'arbitre a tardivement sifflé. Mamoudou Ndiaye, hein? Certainement. Voilà, donc c'est un coup franc. Pour un gaucher, et certainement, il va essayer de tirer. Non, je ne pense pas. Il va essayer certainement de mettre ça sur le point de pénalty. Ah, ça se trompe. Oh là là. Il a cherché à tirer dans le cadre. Et il loupe complètement le cadre. Ouais. Et c'est Baye Gaucher. Hein? Oui, c'est Baye Gaucher. Encore un gaucher. Finalement, Baye Gaucher n'a pas cadré son tir. Ballon. Attention, c'est échappé. Attention, Moussa. Et vite. Ouais. Voilà, c'est ici. L'ouverture du score, ici. En bas au parc, voilà, sur mauvais dégagement, mauvais renvoi. Et c'est Papis, oui, Papis qui. Je le confondu avec Moussa, mais c'est Papis, oui. Le numéro 14, Papis. Et voilà, qui ouvre ici le score à la 13e minute. Moumle. Papis. Moussa 14. Il a tué le score. Voilà, donc amis sportifs, 1 à 0 ici. Un but signé Papis. Voilà, et c'est Mam Tcherno qui a voulu vraiment. Quand même, l'intention était bonne, Mam Tcherno. L'intention était bonne. Mais certainement, le gardien n'était pas loin de sa cage. Et on tire quand même qui n'a pas pu inquiéter le gardien. En l'occurrence, Falloumar. Attention, c'est pas le de Sagna qui va en toute vitesse. La balle n'est pas sortie, hein, il réclame un pénalty, mais bon, pour l'arbitre, ce n'est pas un pénalty. Voilà, et c'est. Attention à cette balle qui cloche. Et c'est récupère encore, qui va mettre ça dans la boîte au deuxième. Attention, c'est Sagna maintenant, qui est le premier sur le ballon. Voilà, quelques tornades, pas joué, bien joué. Et c'est finalement Moussa qui met le pied. Sa balle qui se bat, qui n'arrive pas. Attention, le numéro 10 en profondeur. Attention, dans les 12 mètres, frappe. Oh là là, et Cham qui repousse, attention. Cette balle, attention, copiage, mais heureusement que, voilà, que c'est Mohamed qui est venu en rescousse, Mohamed, oui, de la charnière centrale de Kaimé Foot et qui dégage la balle en corner, Sagna qui va glisser. Attention, ils font très mal, hein, les joueurs de Matar, et encore le corner. Kali Sagna, en tout cas très rapide, et d'ailleurs c'est lui qui va jouer le corner. Attention à ces joueurs de Kaimé Foot, ils ne sont pas tellement vigilants, mais il faudra être vigilant. Attention, c'est le corner, la tête, c'est touché. Et finalement, c'est Cham, oui, le gardien de Kaimé Foot, voilà, qui rassure tout le monde. Hein. Voilà, qui rassure tout le monde sur cette balle. Voilà, Cham qui va jouer avec Christian qui va. Bah, qui cherche Papis, du moins, Baye Gaucher et la balle. Va sortir en touche. Ballon. Christian qui dégage. Mam Tcherno qui va. Il sera le premier sur le ballon. Mam Tcherno, le contrôle d'abord. Mam Tcherno, voilà, qui contrôle, voilà, qui efface son vis-à-vis. Voilà, qui donne
C'est Papi ça, hein, le buteur Papi ça, à la rentrée qui perd le ballon, ça sera pour le numéro 10, Modlo qui va avec Christian, ça va maintenant la balle qui dépasse la ligne médiane de Kaimé Foot Center, attention, la profondeur, attention pour le 3, et certainement c'est le numéro Chirou Sagnan, le gardien Cham, qu'est-ce qu'il fait comme ça, attention, hein. Heureusement, s'il avait mis cette tacle, attention, ça serait... Ça pouvait perdre autrement. Et c'est Abdoulaye, le numéro 10 de Kaimé Foot. Et finalement, la balle qui va sortir en touche. Touche. Et voilà, ça repart ici. On joue la 18e minute. Ici, en bas au parc, je vous rappelle le score. Foot Center 1, Académie Matar Koli 0. Et la balle pour les Rouges, encore, qui sont très enjambés. Hein. C'est le ballon du moins dans le rond central, il tourne, il n'a pas de solution, le numéro 2, mais finalement il trouve une solution qui écarte là-bas de l'autre côté de la tribune découverte, et la balle qui va pas, il ne va pas perdre le ballon, hein, les Rouges, ils vont mettre le pied sur le ballon, et voilà, il s'enfuite, il est dans les 18, et voilà, et sous la protection de Baye Gaucher, et tout doucement, et la balle qui va voilà, tranquillement dans les bras de Cham, le gardien de but de Foot Center. Cham qui va dégager loin dans la zone Mam Tcherno, voilà, il n'a pas pu sauter. C'est la balle qui sera, c'est Khadim Ning qui glisse pour son gardien Falumar qui va donner latéralement son défenseur Modlo le contrôle, voilà, et c'est la remise, voilà, c'est le dossard numéro 10 hein, Modlo, voilà, donc de l'Académie Matar Koli, Modlo, voilà, qui va venir à sa défense, qui va écarter pour Bob, le noir, attention. Et c'est Papis qui a commis une faute, Papis le buteur, hein. Voilà, Modlo qui va essayer de remonter le ballon, et juste à Khalil Diatta, Khalil c'est un beau gaucher, hein. Voilà, qui va essayer de tourner, et qui trouve Bob, c'est Ibrahim Bob, qui va glisser de l'autre côté. Et c'est la balle pour le numéro 4, c'est en l'occurrence Khadim Ning. Perte de balle, non, attention, pas pour longtemps. Balle, non, du moins, Papis, voilà, en contre, attention. Aïe, 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 le numéro 10, c'est-à-dire en l'occurrence, c'est du moins Abdoulaye qui cherchait Mam Tcherno. Malheureusement, la profondeur, le défenseur, Sagnan, qui va essayer de donner la balle, c'est pour le numéro 2, qui est long. Nongo Ao, hein, c'est Nongo Ao. Voilà, Mam Tcherno à Moussa qui va écarter de l'autre côté. C'est une balle destinée à Abdoulaye, mais malheureusement, cette balle qui va mourir en touche. Ballon pour les Rouges de Matar Koli. Ballon juste à la ligne médiane. Ils sont dans leur zone, ils vont essayer d'élaborer. Ballon pour le numéro 5, en l'occurrence, Mohamed Camara. Et cette balle qui va finalement dans la zone. Et c'est Christian qui va. Voilà. Mohamed à son gardien. Cham. Ils vont essayer. Cham, voilà. Et c'est. Oh, si c'est pas trop, c'est trop. Et finalement, Baye Gaucher n'a pas pu contrôler cette balle. Modlo, le contrôle de la cuisse. Qui cherche le contrôle. Qui cherche, qui crochette. Et qui voilà. Qui va donner à son défenseur Ibrahim Bob. Sagnan dans Bob, ballon perdu, et ça sera pour Abdoulaye, le numéro 10, qui perd aussi le ballon. Hein. Attention, il me semble qu'on ne joue plus du côté de Kaimé Foot Center. Attention à cette balle du numéro de Matar Koli, qui juste à l'entrée du 18, Sagnan, la tête, oh là là, cette balle, et c'est finalement Moussa qui met le pied. Ballon se récupère encore par les Rouges, toujours. On va essayer de jouer avec Ibrahim Bob qui va tourner en rond et qui va chercher Ning. Et c'est le numéro 5, Mohamed Camara, Khalil, Modlo. Attention, hein, ils ont un collectif, attention, il va essayer de se contrer. Papis le buteur, attention Papis. Papis qui glisse, Mam Tcherno, Papis. Ah il est là, Papis, attention. Cette fois-ci c'est Abdoulaye qui va donner de l'autre côté. Oh, la balle va sortir. Et oui.
Voilà, il cherchait Abdou Nong, certainement. Et c'est la balle qui va mourir. Et c'est récupéré par les rouges de l'académie de Tiago, est basée dans le département de Pékin. Ici, ballon dans le champ de l'aile, le pied levé, il a levé la semelle. Donc forcément, coup franc. Ballon, Ibrahim Bob. Sagna. Le petit coup franc. Alors Modlo, lui aussi, il touche beaucoup de ballons. Hein. Et il est le capitaine également de cette formation de l'académie. Attention, cette balle perdue, Papi, c'est encore qui s'utilise. Il cherche mon tir, non, mauvais passe. Oh là là. Dio, attention, cette balle qui va filer, sûrement, certainement. Elle n'est pas sortie, attention. Oh là là. Il va vite. Hein. Heureusement, Baye Gaucher également. Est-ce qu'il y a le dernier mot, Baye Gaucher qui récupère le ballon. Ah, cette mésentente, attention. La frappe à côté. Quelle mésentente entre Baye Gaucher et Christian. Oh là là, il a failli, ça a failli coûter très cher au joueur de Kermay Fall. Et ça sera un corner puisque la balle a été déviée par le gardien Cham qui touche quand même le ballon. Et corner très rapidement joué, la tête de Baye Gaucher. Ça va filer. C'est Abdoulaye, le numéro 10, Abdoulaye, hein, qui perd pas le ballon. Merci Abdoulaye, qui cherche Mam Tierno, un contre un, finalement, qui glisse pour Nongo. Abdou Nong, voilà, c'est une passe de Mam Tierno. Voilà, Abdou Nong avec ses pas de danse. Ah ouais. Et franchement, voilà, chapeau également à Mam Tierno qui a bien sûr donné cette balle de but à Abdou Nong. Voilà, 2-0 ici, on joue la 25e minute. Voilà. Et c'est Kame Foot, voilà, qui double ici le score par Abdou Nong. On joue la 26e minute. Foot Center qui a fait le job, hein, qui a fait le job. Même si encore c'est pas. Attention, ils sont très rapides. C'est vrai que je suis. Il manque de chance, c'est pas le crochet. C'est touché. Ah, ballon qui va dégager un corner. Hein. Oui, certainement, corner. Ballon encore peu vu. Doit encore jouer surtout dans le milieu terrain. Et ça sera un corner. 27e minute, corner pour l'Académie Matar. Koli, la tête de Christian qui écarte le danger. Malentendu, attention, Papis en rescousse. Et c'est une balle de longue, disons, et le buteur qui. Bon, Thomas, Sagna, Kali. Bala qui touche pas le ballon, attention. Mamadou Ndiaye, Mohamed, Christian, ah, il faut jouer le ballon. Oh là là, Christian, on ne joue pas n'importe comment, il faut jouer le ballon. Il faut garder le ballon, il faut mettre le pied sur le ballon. Attention, cette balle qui va aller au numéro 3, il s'en va. Et c'est dans les 18 mètres, attention, ouais, attends-le. Et finalement, il a voulu centrer en retrait. Et c'est Christian qui a bien suivi le coup. Et ça sera un corner. Corner, attention, la balle dans les 10 mètres, la frappe, c'est contré. Ballon faute de main, mais la vie ne dit rien. Papis le contrôle. Bien sûr, la balle passe. Bien sûr, Abdou Nong, le buteur. Et ça sera pour les joueurs de Kame Foot en blanc. Et voilà, et coup franc. Et c'est un coup franc, voilà, de Mamadou Ndiaye qui obtient un coup franc. Le piston de Foot Center. Le puissant droit, hein.
touche Mohamed dans notre sinon coup franc. Et ça, voilà, et c'est Mohamed qui joue, qui cherche son capitaine, Mam Thierno qui suit la trajectoire, et la tête et corner, oui, corner forcément. Corner, et c'est oui, c'est Ibrahima Bop, oui. Ibrahima Bop, le charnier central, le patron bien sûr de l'équipe de l'Académie Matar Koli, qui a mis la tête. Et ce sera corner. Et je vois Papis, l'auteur du premier but, l'ouverture du score. Signé Papis. Deuxième but signé Abdou Nongo. 2 à 0. On joue pratiquement la demi-heure ici. 30 minutes. Corner, ça sera pour Four Center. Joué Papis au deuxième, c'est renvoyé par la défense Sagnan qui met la tête. Balle, attention. Cette balle, Christian qui va écarter. Pour Abdoulaye sûrement, hein, certainement, oui. Abdoulaye hein, qui a le numéro 10 hein, de Four Center. Il n'arrive pas à maîtriser cette balle, le ballon. Ce sera pour le numéro 2 de Matar Koli. Ils sont très enjambés, très enjambés. Et Baye Gaucher qui donne une passe à Abdoulaye. Abdoulaye, oh là là, qu'est-ce qu'il a voulu faire Abdoulaye. C'est pas qu'il va sortir, c'est sûr. Elle a voulu chercher Mam Thierno, mais bon, c'était une passe impossible à Mam Thierno. Il a hésité, voilà, et donc la balle est sortie. Touche. Ballon. Sagnan qui dévie. Et c'est Baye Gaucher qui met les pieds. Ballon, Sagna encore, qui touche beaucoup de ballons, hein. Kali. Touche beaucoup de ballons. Le joueur de l'Académie Matar Koli. Qui touche beaucoup de ballons. Le ballon dans l'angle central pour les rouges. Et qui obtient un coup franc. Il a voulu jouer rapidement sur Khalil Diatta, le dossard numéro 20. Sagnan. Nongo Ao. Sagnan, il a voulu jouer sans ballon pour Khalil Diatta, mais finalement, il s'est récupéré par les joueurs de KM Foot Center. Voilà, dans le milieu de terrain, voilà, qui met le pied. Certainement, la balle va sortir. Et ça sera touche. Rapidement, j'ai Mam Thierno encore qui va mettre tout son poids sur son adversaire. Mam Thierno. Très percutant. En tout cas, c'est un défenseur qui ne laisse aucune chance, du moins un attaquant, qui ne laisse aucune chance à la défense adverse, Mam Thierno. Très puissant. Ballon, pop. Cette balle. Balle. Ah, qui commet une faute. Là, le pop. Qui va. Et cette balle. Yep. Abdou Long. C'est. Une faute. Ballon. Ah. Abdoulaye qui commet ici une faute. Et ce sera pour Modlo qui va jouer avec sa défense, en l'occurrence Mohamed Camara. Ça sera pour Ning qui va. La balle n'est pas sortie. Attention, il joue avec Khalil. La balle s'est récupérée par les blancs. Mam Thierno qui attend du soutien. Papis qui tourne. Papis la passe. Baye Gaucher, Papis. Moussa. Balle. Oh là là. Ballon. Normalement c'est perdu. Et puis c'est récupéré. Oui. Balle qui fait le job. Voilà, voilà. Qui a tamponné. Oui, comme on le dit, son adversaire.
Oui, sur, dans sa course, il ne l'a pas fait exprès. Et ça repart du côté de l'Académie. Attention à Khalil qui sort là. Khalil Diatta, dossard numéro 20. Et c'est finalement qui a voulu surprendre la défense de Kaïmé Fourcente. Et la balle qui va sortir en corner. Et c'est Khalil également qui va mettre ça dans la boîte. Déviation Christian, c'est Moussa de la tête. Abdoulaye, pour le coup franc, Papis qui récupère. Qui perd, oui, Papis qui est encore, voilà, c'est bien, Papis. Abdou qui ça va, qui cherche, qui un coup d'œil, qui de l'autre côté, même Tierno. C'est perdu. Oh là là. Et coup franc. Abdou, en tout cas, même Tierno était très loin. Il devait y avoir un joueur en rescousse. Ils étaient tous au deuxième. Malheureusement, il n'a pas pu. Voilà. Voilà, Ibrahim Pop qui va jouer avec Sanya. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ballon, Modlo, Pop. Mohamed Camara, c'est Ning qui donne l'équipe qui va écarter en profondeur. Attention, cette balle de Cheikh Oussagna qui va jouer, qui conserve tout son ballon. Il met au deuxième poteau, c'est Khalil Diatta qui va. La balle ne sort pas. Et la balle est sortie, dit l'arbitre. Khalil, qui a été un peu en retard sur cette balle. Et ça sera certainement une touche pour Foot Center qui mène ici par 2-0. Mohamed. Ah là là, quel jeu de touche ça. Hein? Mamadou Ndiaye, un puissant ballon. Touche. Allons, Khalil de la tête. Et ce sera Sagnan qui va venir en rescousse. La balle, certainement, qui va. Voilà, et ce sera dans les bras de Cham, qui est allé, qui se couche sur le sol de Mbao Park. 37e minute, le dégagement. Balle, le contrôle, pas mal. Baye Gaucher qui cherche. Il y a Mam Tierno qui vient en rescousse. Et c'est Moussa qui va donner à Christian. Ils ont la même coiffure, hein? Moussa et Christian qui glissent pour attention, Papis qui essaie de récupérer le ballon, Papis ouais, qui touche beaucoup le ballon également. Balle de la tête, pas mal joué, c'est Abdoulaye. Le dossard numéro 10, c'est glissé pour le gardien Falloumar. Ah, Falloumar, hein, attention, qui joue avec Ning. Finalement, voilà, il y a la balle qui sort. Ça sera la touche pour voilà, avec la... Il faut dire qu'il fait très chaud ici, la chaleur ici, la chaleur du vendredi. Et je vois un joueur, c'était ses balles, Mam Tierno, qui s'appuie sur Moussa. Moussa qui a voulu mettre au deuxième, le contrôle, heureusement que c'est finalement Khalil qui va toucher le ballon, Sagna. Et c'est la balle, la balle de contre, Christian, oui, qui a vraiment une vision de jeu. Ah là, qui se bat là, hein. Elle est là. On n'a pas. Hey. Mamadou Ndiaye. Le puissant qui donne à Papis, Papis à Nongo. Abdou Nongo, le contrôle Abdoulaye en hors-jeu.
rapidement jouer ballon dans le rond central. Modelo qui va chercher, s'appuyer de l'autre côté. En tout cas, il joue bien, Modelo. Il est pas mal. Ballon au pied, Modelo. Attention, cette fois-ci, il perd le ballon. Hein. Il va perdre le ballon, bien sûr. Heureusement, voilà. Je vois deux joueurs à terre, Papi, c'est... Voilà. Attention. Heureusement, Christian est là-bas. Le solide défenseur de Fourcenter, Christian. Voilà, donc 40e minute ici, certainement on joue les arrêts de jeu. Sinon ça sera dans un instant. Ballon pour les rouges qui vont essayer. Sagna, la frappe, c'est contré. Et c'est Christian qui met le pied. Voilà, et cette balle qui va finalement 6 mètres. Pas cadré. Attention à ces contres de l'Académie Matar Koli. Ils sont très rapides. Voilà, c'est la pause ici, en bas au parc. Je vous rappelle le score. Kame Foot 2. Qui Académie Matar Koli 0. Et c'est la première période. Dans un instant, ça sera la seconde période, amis sportifs. A tout de suite. Entre Académie Matar Koli et Foot Center de Cœur Mbaye Fall. Je vous rappelle le score. Foot Center 2, Académie Matar Koli 0. Voilà, donc la mi-temps c'était 2 à 0. Et on prend les mêmes acteurs. Et c'est une balle. C'est incroyable. Voilà, Sagna, Khali. Heureusement. Papis qui glisse Abdou Nango et voilà, c'est en retrait. Heureusement que Bob évolue, sinon Baye Gaucher allait forcément récupérer ce ballon. Heureusement que il y avait Ibrahim Bob, le charnière central de... Et ça sera un corner. Corner de Foot Center, la balle qui va... Hey, et Bala qui a finalement manqué sa tête. Et c'est une tête de Mohamed. Très solide, hein, solide défenseur Mohamed. Et c'est Thiam Mantierno qui met le pied. Voilà, on va écarter de l'autre côté pour les rouges. Ils sont très rapides en contre, hein, les rouges de l'Académie Matar Koli. Voilà, Sagna qui demande à ses. Voilà, qui va jouer la transversale sur Mohamed Kamara. Et c'est Thiam, et certainement le gardien de Foot Center. Et qui joue avec Christian. Christian Moussa. Ah, mauvais sport. Quel mauvais Moussa. Hein? Heureusement que Oumoudou. Christian, balle. Oh. En tout cas, balle. Balle encore. Il faudra encore. Il faudra retravailler dans le milieu de terrain. Et c'est Moussa qui va dégager le ballon. Ballon. Khalil et Baye Gaucher. Il va essayer de tirer Sagnan, hein. Il vous touche beaucoup de ballons, heureusement. Et c'est... Encore, on perd le ballon du côté de Foot Center. Beaucoup de balles perdues. Et je vois le numéro 6 de Foot Center qui se prépare, en l'occurrence c'est Daour Ndoye, qui se prépare pour effectuer son entrée ici. Gauche. Ballon pour les rouges, hein, qui dominent, hein, à l'entame de cette seconde période.
Attention, Mam Thierno, finalement qui récupère, Mam Thierno, sur quatre défenseurs, récupère le ballon. Il a pensé que c'était une faute. Ballon. Christian Papis qui va glisser pour Abdoulaye. Abdoulaye, le dessin numéro 10. Abdoulaye, oh, la balle est sortie. Non, elle n'est pas sortie. Abdoulaye qui s'appuie sur Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye qui va glisser. Et c'est une balle perdue. Bop, Kralik Sagnan. Et voilà. Et c'est Mamadou Ndiaye qui commet une faute. Et ça sera faute pour l'Académie Matar Koli. En tout cas, il est au sol et voilà, l'arbitre continue de jouer. Je ne comprends pas. Voilà, il se lève tout doucement. Alors, ça sera sorti. De la balle qui n'a pas. C'est battu. Balle qui cède sa place à Daoud. Et c'est Thiam, certainement, qui va dégager. Bon dégagement de Mam Thierno qui dévie. Alors, Sagnan. Très rapidement joué, on joue. Cette balle de Baye Gaucher qui va finalement. Et attention sur la barre! Attention, cette balle de Baye Gaucher qui flottait. Heureusement, la balle a touché la transversale. Le ballon s'est récupéré par les joueurs de l'Académie Matar. Christian au marquage. Attention, cette balle, est-ce qu'il est en hors-jeu ou pas? En tout cas, il n'est pas nos jeux, le numéro de qui met Thiam, ouais, sans problème, le gardien de Kermayfal Center qui a saisi, qui a capté ce ballon. Thiam, le gardien qui dégage. On dégage Mam Thierno, le contrôle manqué. Et Moussa qui va mettre la balle en profondeur. Et c'est pas, il n'est pas nos jeux. Nongo, attention, deuxième, et c'est Khalil de la tête, la faute de main. Et cette balle qui va toujours dans sur les pieds des rouges de l'Académie Matar Koli. Et c'est Thiam. Le gardien qui va certainement dégager. Il préfère jouer avec Christian. Christian, Mam Thierno, mauvais contrôle, Mam Thierno, hein, c'est contrôle. Ballon Kali en profondeur. Heureusement que Mohamed aussi a compris. Mohamed, le numéro 15 de Foot Center. Lui aussi également, très vigilant en défense, Mohamed, et sorti de but.
Et ce sera en 6 mètres. 6 mètres. Cham qui va dégager. Même Tcherno n'a pas pu sauter. Christian qui va jouer avec Baye Gaucher, le contrôle Moussa. Ce sera pour Daoul, le remplaçant Daoul Loï, qui a pris la place de balle. Ballon. Voilà, il a trop poussé le ballon. Hein, ouais, il va sortir, c'est sûr. La balle. Il va sortir la balle. Et ça repart du côté des rouges de l'académie Matar Koli. Ballon pour le dossard numéro 5. Mohamed Camara. Rien dit l'arbitre. Cette balle qui va mourir dans les bras. Christian. On a le Camara. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois l'arrivée de touche qui rappelle le jeu central. Ça repart. Allons dégager, attention. Mam Tcherno. Allons. Bien joué. 1-2. Mam Tcherno est. Tcherno qui va glisser. Le gardien qui sort. Papy, il le regarde. C'est sauvé de justesse sur son camp. Quelle balle. Quelle balle de but. C'était le 3-0, malheureusement, pour les joueurs de Kermefal. Et c'est récupéré par les rouges qui vont. Facile. Quelle balle, quelle balle. Voilà. Pour le numéro. Certainement. Ah là là, un bon gaucher hein, qui se débarrasse. 1-2-3. Il hein, n'arrive pas à passer. Et c'est Moussa qui va très rapidement jouer. Ah non. Et faute, voilà. Cette balle qui va. Qui sera sauvée de justesse. Par un joueur de l'académie Matar Koli. Ballon. Modlo. Sagnan. Qui va écarter de l'autre côté. La balle ne sort pas. Le contrôle. Qui cherche. Il n'y a pas de soutien. Qui retourne en arrière. Sagnan. Le contrôle. Il dit. Ah, Sagnan, il joue bien. En tout cas, Modlo. Qui débute. Oh là là. Oh, il joue bien. Sagnan. Heureusement, heureusement que Christian a compris. Daour qui va glisser pour. Oh là là, Abdounong. Hein? Sagnan, Sagnan qui s'en va. Encore se récupérer par finalement. Attention, ça s'appelle Sagnan. Et but. Ah oui. Ah oui, vraiment. Ah oui, 55e minute. C'est joueur. Production du score ici, signé Sagnan. En tout cas, un joueur, quand même, Sagnan, et qui réduit le score à la 55e minute. Voilà, donc, Kermayfal Fourcente 2, Académie Matar Koli 1. Voilà, donc, c'est le score à la 55e minute. Ballon Daour. Daour aussi, il n'est pas mal. Hein. Daour Papis qui va glisser pour. Mourinho, Mam Tcherno, Mourinho, ça va. Le retrait, aïe, aïe, c'est touché par le gardien. Falloumar qui gagne son duel. Falloumar, le gardien de l'académie Matar Koli, qui gagne finalement son duel.
attention à ces joueurs de l'Académie Matar Koli. Ils sont très bien. Bob qui va écarter pour son piston gauche. Il ne perd pas le ballon. Attention, il s'en va. Attention, ils sont quatre à l'attaque. Attention, il cherche la profondeur. Heureusement, le gardien Cham a compris. Et la balle qui va sortir. Sortie de but. Et ça sera 6 mètres. En tout cas, les joueurs de Matar Koli sont en train de réagir. Depuis l'entame de la seconde période, ils ont mis le pied sur le ballon. Et voilà le résultat. Ils ont obtenu un but. Et c'est 6 mètres. Cham qui dégage. Même Pierron de la tête. Voilà pour les rouges. Attention. Ils sont très rapides, très rapides. Balle gaucher, la balle qui sort. Voilà, et c'est Christian qui va s'interposer, qui met le pied. Moussa. La balle sort en touche. Pour les rouges qui mettent le pied sur le ballon, Sagna encore, l'odeur du but, heureusement que c'est Daour qui s'en va, c'est la DJ, il vient de rentrer, ah là là, le mauvais passe, il récupère encore, Daour, cette fois-ci, il protège pas. Cette fois-ci, ce sera une touche. Voilà, et donc il y avait de l'autre côté, Mam Tcherno qui était seul dans le couloir. Il suffit tout simplement de renverser le ballon, malheureusement. Ballon, et c'est une balle qui va sortir d'une touche. Voilà, donc 14 académies se sont engagées ici pour ce championnat. Académie Soumidjoun, Académie Diego Foot, il y a le Zitana également qui joue déjà. D'ailleurs, du moins, en seconde période, en seconde heure, bien sûr, il y a Futur Espoir, il y a bien sûr Académie Matar Koli qui joue actuellement, il y a IFA qui va jouer aussi en seconde heure, il y a Refix, il y a aussi Salam Academy, il y a aussi Avenir. Tchaolen, bien sûr, Académie, Mbao Foot de Sambatop, il y a également Asfax, Elite Foot de Niakourab. Voilà, donc c'est les 14 qui se sont engagés pour ce championnat, certainement qui va durer. Finalement qui dégage le ballon. Et voilà, et c'est Mohamed qui va surgir pour mettre la tête. Modlo, le centre, très bon centre au deuxième. Attention, attention à ces joueurs, attention. Le retrait s'est touché. Et c'est Daour qui va dégager. Quelle balle! Oh là là! Pas mal ce qu'il a fait ce jour! Oh là là! Arbitre! Arbitre a dit il n'est pas loin de l'action! Alors, attention à cette balle de contre, la réplique! Oh là là! Il faut... Ah! À l'entrée! Ouais, ouais! Ouais, ouais! Il y a faute! Il y a faute! En tout cas, quel chevauchée de. D'accord, c'est Abdoulaye, franchement, qui a... Pour Cheikh Diop, au gaucher.
Il va essayer de fermer le pied et d'envelopper son tir, sûrement. Ou bien sinon, ça sera pour... Voilà, donc Sergio, voilà, c'est contré. C'est contré, la balle qui... Voilà, c'est attention à Modlo. Attention à Modlo. Qui essaie de lever le gardien. Christian de la tête. La balle, le danger est toujours là. Sergio. Voilà, et c'est finalement dégagé. Mam Tierno, il a dit qu'il est puissant. Il s'en va, Mam Tierno seul. Il bute sur le gardien. Incroyable, Mam Tierno. Oh là là. Il n'a pas regardé le gardien. Voilà, il a trop poussé le ballon. Et le gardien, voilà, Falloumar, qui a le dernier mot. Ballon. Et ça sera pour Papis. Papis qui va tourner en rond et qui perd le ballon. Christian qui met les pieds, attention à ces joueurs. Ils sont rapides. C'est Cheikh Diop. Cheikh Diop qui. Finalement, qui est fauché. Ballon. Mohamed Camara. Cheikh Diop qui s'appuie sur. Voilà, et c'est une balle qui sera dégagée. Modlo couvrant. Grand Bop qui va écarter. Et c'est une balle de course de l'autre côté. La balle certainement va sortir. Voilà, et ça sera une sortie de but. Là, on joue la 64e minute. Ça sera un corner. Touche, ça sera pour les rouges de Matar Koli. La balle s'est jouée et c'est récupéré. Touche. Ballon, Sagna, l'auteur des buts. Et c'est Christian qui dégage. Ballon, encore, Mam Tierno, il s'en va encore. Mam Tierno, il est puissant, il cherche. Oh là là, quelle balle. Le pied gauche ne fonctionne pas tellement. Papis, le contrôle. Papis encore. Pas mal joué, c'est perdu. C'est ça, c'est perdu cette fois-ci. Ballon, Daour. Avec un du coup. Hein? Oui. Oui. C'est Ali Ngo. Attention, heureusement, en jeu. Heureusement. Voilà, et c'est Cham qui va dégager le gardien de Full Center loin et la tête de joueur de Matar Koli. Voilà, c'est finalement Glaï qui. Oh, attention, cette balle qui est contrée. Ça sera touche pour l'Académie Matar Koli. 67e minute. Encore 13 minutes à jouer ici. Je rappelle le score 2-1. Et c'est Mohamed qui dégage. Le contrôle de Papis. Ça, c'est bien joué. Pour jeu.
Cheikh Diop et touche. Cheikh Diop qui va laisser le son à Mohamed Camara. Cheikh Diop. Cheikh Diop, un bon gaucher, Sagna. Qui va tuer la transversale, c'est bien joué. Oh, Gengouane. C'est parti. Ça va en sens. Son dixième, hein. C'est 10 minutes. Le dégagement de Cham, c'est la tête de Pop. Ballon récupéré par les rouges, sont rapides hein, sur les balles. Voilà, c'est une perte de balle, attention, c'est Moussa qui récupère. Pour ça, pour Abdoulaye qui est en profondeur. Mam Tcherno, et il y a Papis au deuxième. Mam Tcherno, la frappe, c'est contré. Et c'est le gardien qui repousse, Papis pour Daour, du moins. Bail gaucher, on tire au. Oh là là! Passé au-dessus. Au-dessus. Et cette balle qui va sur les pieds des rouges. Christian qui récupère beaucoup de ballons. Daour. Oh Daour. Papis. Glisse. Daour. Il perd le ballon, il va perdre ce ballon, c'est sûr. Encore 10 minutes. 10 minutes ici à Mbao Park. Oui. Le score toujours 2-1 en faveur des joueurs de Kermé Fall. Touche. Ballon Daour qui va certainement donner à Papis. Papis, attention à Daour. Papis, il s'en va. Et c'est donné derrière. La balle, c'est Moussa qui va récupérer le ballon. Cette fois-ci, cette balle qui va. Daour. Touche. Du moins une faute. Et ça sera une faute. De la vivacité. Mais qui est mieux, Mondes? Vision de jeu. Non, quand il y a des transversal, quand il y a en profondeur, il faut le faire. Voilà, donc on confronte pour les joueurs de Papis qui dévient, Mam Tcherno. Le contrôle, ces balles perdues. Et ce sera pour les rouges de Matar Koli, Pop qui va dégager. Certainement sur la tête, Cheikh Diop. Et c'est voilà, Mohamed qui dégage. Mohamed Kermé Fall. Cheikh Diop, encore. Cheikh Diop qui est bon gaucher, Mohamed Camara. Mohamed Camara, bon, qui va laisser sûrement certainement son défenseur. Ils sont à l'assaut, ils veulent égaliser ces joueurs de l'Académie Matar Koli. Et voilà un dégagement de Christian. La balle qui va tomber sur certainement de. Daour, ouais, en tout cas il n'est pas mal Daour. Là, ballon Papis, Mam Tcherno, une, deux, c'est pas mal. Au deuxième, il n'y a personne. Certainement, ça sera pour Falouma, le gardien de l'Académie Matar Koli, le dégagement. Et c'est, ouais, couffant, attention. Hein. Hors-jeu. Voilà, donc hors-jeu. Cheikh Diop, Daour, pas mal. Et c'est Alingom, hein, mauvais balle. Alingom qui perd le ballon. Cheikh Diop, attention, 1-2. Bail gaucher, heureusement. Ah,
Ouais, il a joué avec la main. Ouais. Voilà, et donc le jeu va reprendre ici à Mbao Park. Et il reste encore 2 minutes. Au temps réglementaire, peut-être qu'on aura beaucoup d'arrêts de jeu. Certainement, et c'est Cham qui dégage la déviation de Mam Thierno, de la Mbake. Et c'est le gardien Fallou qui va jouer avec son attaquant qui est Giorgio Pouki. Voilà, et ça sera faute. Et c'est pas plus qui est comme une faute. Ballon, cette balle qui va clocher. Attention, on ne voit pas. Attention, hein. Attention, heureusement. Et c'est. Voilà. On dégage comme on peut. Et ça sera. Touche. Ballon. Bien joué. Deuxième. Qui cherche là-bas. Qui trouve le 3 qui frappe, c'est Ali Ngom. Oh là là, Ali Ngom. Non, non, c'est pas Ali Ngom. Voilà, Cheikh Diop, il est bon, il est un bon gaucher. Sagna, attention, attention, c'est contre. Hein. Attention, heureusement. Et c'est. Et ça sera corner pour, tu vois, Cheikh Diop et Sagna. Attention, hein, c'est sans doute. On va, la balle, c'est Christian de la tête. Très solide en défense. Christian, encore la tête, heureusement. Attention, cette balle qui cloche là, qui traîne. Qui voit Khali Sagna, qui veut arracher l'égalisation. Cette balle, Cham. Ah, attention. Corner. Cham, nous avons capté, non? Et ça sera un corner, attention à ces corners de l'académie Matakoli. Cette balle qui va de la tête, le danger est toujours là. Et c'est Daoud qui va donner à Mam Thierno. Mam Thierno, voilà, et ça sera une touche pour Foot Center. En tout cas, on a fini. Le temps réglementaire depuis 1 minute. Et que sans doute beaucoup d'arrêts de jeu. Pabis qui s'enfonce mais qui n'obtient. Allons. Mam Thierno qui va jouer avec Daoud. Daoud qui va écarter. Daoud. Sans doute il veut frapper. Qui écarte la balle qui glisse. Daoud a aidé. Ah oui, Daoud, oui, en tout cas, bien joué. Très bien joué entre Daoud et Abdoulaye. Voilà, d'abord, le premier, c'est Daoud qui met la passe. Abdoulaye, voilà, en profondeur. Et c'est Daoud qui va mettre les pieds, la balle dans les filets. Voilà. Et donc, cette fois-ci, les carottes sont cuites pour l'Académie Matar Koli. 3-1. 3-1, voilà, un but de Daoud à la 81e minute. C'est dans les arrêts de jeu, sûrement, certainement. Daoud qui met complètement à l'abri les joueurs de Kermay Fall Foot Center. Il file directement sur leur deuxième victoire dans ce championnat. Autant de sorties. En tout cas, c'est collectif. Voilà, ok, le jeu repart. C'est certainement on joue les dernières minutes. Et ça sera une touche pour
Papice. Papice, attention. Ballon, Papice qui va essayer de perdre le ballon. Sergio, ah, qui enchaîne. Heureusement que Cham était sur la trajectoire. On joue depuis 4 minutes. Les arrêts de jeu. Et certainement l'arbitre ne va pas tarder. On va dans l'action. Image des soirs. Et c'est fini, terminé ici à Mbao Park, deuxième victoire de Foot Center qui a battu par 3-1. Et voilà, et merci, à la prochaine.